Savez-vous ce que sont les déchets radioactifs? D'où proviennent-ils? Comment sont-ils gérés? Pour répondre à toutes ces questions, l'ANDRA vous ouvre ses portes. Venez rencontrer les équipes de l'ANDRA le dimanche 26 septembre, de 10h à 17h sur le site de Morvilliers, dans l'Aube, et sur le site de Bure-Saudron, en Meuse-Haute-Marne. Inscription sur andra.fr. Événement organisé dans le respect des règles sanitaires. Le personnel soignant obligé de se faire vacciner. Une marche participative pour nettoyer la nature au lac du Der. Les amateurs de musique ont pu s'initier à la harpe dans un cadre bucolique. Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal du mardi 21 septembre 2021 et ouvrons tout de suite cette édition avec la vaccination pour le personnel soignant qui est devenue obligatoire sauf contre-indication médicale pour ceux travaillant dans les établissements et services sanitaires et médico-sociaux. Cette obligation vaccinale des soignants est mise en place en deux temps depuis le 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre, date entrée en vigueur de l'obligation vaccinale. Les professionnels soumis à l'obligation vaccinale seront autorisés à exercer leur activité à condition de justifier de l'administration d'au moins une dose requise dans le cadre du schéma vaccinal et de présenter également un résultat d'un test de non-contamination. À défaut d'avoir été vaccinés dans les temps, les salariés ou agents publics pourront être suspendus sans rémunération. En revanche, un licenciement n'est pas possible. Les soignants des hôpitaux du groupement hospitalier du territoire GHT, comprenant principalement les centres hospitaliers de Saint-Dizier, Vitry-le-François et Bar-le-Duc, sont majoritairement entrés dans un schéma vaccinal complet. 98% des personnels hospitaliers seront bientôt vaccinés. Sur les 5500 personnels travaillant au sein du GHT, seuls 20% ont été suspendus. Écoutez. L'objectif est que, évidemment, tous les professionnels soient vaccinés. Néanmoins, il y a quelques cas qui sont très marginaux de professionnels qu'on n'a pas réussi à convaincre. C'est une suspension jusqu'à la mise en œuvre de l'obligation vaccinale. Pour vous dire, à titre d'exemple, on a quelques cas de professionnels qui avaient été suspendus la semaine dernière, puisque l'échéance était au 15 septembre, et qui entre-temps sont rentrés dans la mise en œuvre du schéma vaccinal. Je crois que les professionnels ont bien compris l'intérêt de la vaccination, encore une fois, pour protéger nos patients et nos résidents. Créée il y a moins d'un an, l'association locale Dérange, organisée en partenariat avec une enseigne de sport, une éco-rando autour du lac du Der. Plusieurs parcours étaient proposés pour satisfaire tous les niveaux. Fort de leurs 80 membres, cette journée était aussi l'occasion de sensibiliser et d'attirer un nouveau public sur les réalités du lac du Der. Sans surprise, ce sont près des endroits les plus touristiques que l'on retrouve le plus de déchets. Un reportage de Lina Tran. Sur les plages de la Cornée du Der, une trentaine de personnes se sont rassemblées pour réaliser une éco-rando. Cette activité était organisée par l'association locale Dérange, en partenariat avec une grande ancienne de sport, pour la journée mondiale du nettoyage. Alors l'éco-rando, c'est un parcours, on ramasse les déchets qu'on voit en marchant. Là on sait qu'on a des gros déchets, donc ça va être aussi dans ce cas-là de faire du repérage. Ouvert à tous, l'association proposait plusieurs parcours, comme un trail dans les bois ou une randonnée jusqu'à Nemours. Apprendre déjà aux enfants qu'il faut respecter la nature et puis la préserver et faire un geste citoyen aussi, que, tout en s'amusant. Si par exemple il y a trop de déchets dans l'eau, on pourra plus vivre. Si on met des déchets dans la mer, et ben les poissons ou les tortues, voilà, ça va manger et après ça va mourir. Ça va s'étouffer avec les filets. Moi, les associations comme ça, enfin moi je leur tire mon chapeau et on est là aussi pour les aider et pour les faire connaître en fait. Donc c'est pour ça qu'on s'est associé à eux, parce que leur cause elle est juste top, et surtout dans ce contexte un petit peu compliqué, et on sait qu'on doit tous faire un petit quelque chose pour la planète. Cette éco-rando était une nouveauté pour l'association Dérange, qui n'organise habituellement que des sessions de nettoyage autour du lac du Der, victime des incivilités. Déjà, il y a eu beaucoup après le confinement où les déchetteries n'étaient pas ouvertes.
Mais les gens étaient chez eux, donc ils ont fait énormément de tri. Et comme les déchetteries n'étaient pas ouvertes, c'était plus facile de les mettre dans des décharges sauvages. Et puis, bah, y a aussi eu des incivilités avec des réflexes de jeter le masque par la fenêtre, les mégots par terre. Mais quand on fait nos journées de ramassage, on est partagé toujours entre deux sentiments. Déjà, on est content de le faire parce que ça vaut le coup, mais on se dit, y en a quand même beaucoup. Et c'est toujours frustrant parce qu'à chaque fois qu'on fait un village, on repasse des fois juste l'après-midi même et il y a déjà de nouveau des masques ou des mégots par terre. Aux côtés des habituels mégots, bouteilles en plastique et masques, les participants ont cette fois-ci trouvé une batterie, un tonneau métallique, mais surtout un flotteur échoué près de la presqu'île de Nemours. Ça par contre, c'est pour servir, hein, honnêtement. Ah non, moi, il n'a aucun défaut. Ouais. Pour la jeune association, l'objectif reste de sensibiliser le public et de rappeler l'exceptionnelle nature de ce territoire. Pour les plus motivés, la prochaine session devrait se tenir à la mi-octobre à Éclaron. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 4. En effet, la procédure du procès des opposants de Cigéo aura duré 4 ans. En juin dernier, 7 prévenus ont été entendus pour association de malfaiteurs. Mais le délibéré est tombé aujourd'hui. Ils ont été condamnés pour d'autres chefs d'accusation, comme participation à une manifestation non autorisée. 2 personnes ont été condamnées à 9 et 12 mois de prison ferme. 3 condamnées à 9 mois de prison avec sursis. 1 prévenue condamnée à 6 mois de sursis et 1 a été relaxée. Le concertiste Dimitri Bocorn, originaire des Pays Basques, a dispensé au sein de l'abbaye de Trois-Fontaines un stage de harpe les 18 et 19 septembre dernier. Au programme musique traditionnelle celte, entre douceur et délicatesse, les participants étaient heureux de percer les secrets de cet instrument tombé en désuétude. Un reportage de Kéliane Dutreuil. C'est à l'abbaye de Trois-Fontaines que certains privilégiés ont pu expérimenter la harpe auprès du concertiste Dimitri Bocorn. Il est un spécialiste de la harpe celtique et est originaire des Pays-Bas. L'artiste réserve une place particulière au stage de découverte de son instrument. Ah, c'est assez énorme, c'est un contact vraiment privilégié. Donc autant j'adore être concertiste, m'exprimer. Il y a beaucoup d'émotions, je crois, quand je joue en concert. Par contre, le contact avec le public, c'est un bon contact, mais assez furtif. En stage, en cours, l'une des choses qui me plaît, c'est vraiment les relations humaines un peu approfondies. C'est des gens qui sont toujours contents d'être en stage, qui généralement reviennent. Donc il y en a certains qui deviennent même des amis. Pour l'organisation de ce stage, il a fallu un lieu de rencontre, mais aussi une passionnée de harpe. Son admiration pour l'instrument et pour le musicien lui ont permis de créer cette ambiance de travail conviviale. Je crois que c'est... On est vraiment tous centrés sur ce bel instrument, sur l'enseignement de Dimitri qui est tout dans la douceur, dans l'adaptation totale à chacun des participants. Et donc c'est une ambiance de sérénité, la harpe l'emmène aussi. Sur 10 stagiaires, 4 sont venus de Bretagne. Ceux-ci ont déjà pu avoir un avant-goût des cours de Dimitri Bocorn. Les 6 locaux, quant à eux, sont débutants. Et malgré le mélange de niveaux, tous semblent conquis par l'expérience de la harpe. Moi je suis tout à fait satisfait du stage parce que je connaissais déjà Dimitri, j'ai déjà fait plusieurs stages avec lui. Il a un sens de la pédagogie extraordinaire. Donc c'est vraiment très très agréable de travailler avec lui. On a passé vraiment un excellent week-end dans une très bonne ambiance avec un très bon professeur et puis un instrument d'une sensualité absolument magnifique, des sons, des harmonies qui sont différentes et pour moi ça a été magique. Ce que je trouve vraiment magique aussi avec cet instrument, c'est la manière dont on porte l'instrument. Et quand on joue une note, on la ressent au niveau... On la ressent en soi, enfin, c'est assez... C'est un instrument vraiment magique. Les stages étaient auparavant dispensés dans le salon de l'organisatrice. Avoir accès à l'abbaye a permis de donner une nouvelle dimension au cours. Les organisateurs espèrent pouvoir reconduire ce projet afin de continuer à donner accès à ce magnifique instrument. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très bon mercredi à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Mmh.
Bonsoir à tous. Demain matin, des éclaircies sont attendues sur l'ensemble du triangle. Côté température, on annonce 6 degrés à Chaumont. Demain après-midi, pas de changement dans le ciel, mais les températures remonteront. On attend jusqu'à 20 degrés à Vitry-le-François. La soirée de demain sera plutôt dégagée. Pour les températures, on prévoit 13 degrés à Bar-le-Duc. Demain, nous fêterons les Maurice et nous perdrons 4 minutes de soleil. Très belle soirée avec Puissance Télévisée.